Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 8e édition de la Cubica AMF Bowling Promotion Cup. Et avec moi, pour vous faire vivre ces matchs, l'organisateur Bruno Bidon qui joue dans ce match en équipe. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène. Et c'est l'équipe Mercury qui vient d'entamer le match avec Toby Contreras qui nous fait un joli strike. Effectivement, Toby Contreras, joueur américain, professionnel, qui avait gagné l'AC Delco Classic en 1983. Et dans mon équipe, Gustav Björnsson, islandais. Il fait un strike à gauche, un strike chanceux. Alors Guillaume Marois se prépare pour l'équipe Mercury. Ouais, première participation Guillaume Marois, jeune joueur français gaucher. Eh bien, sa première boule télévisée, ça sera une rigole, hein, il s'en souviendra. Et c'est à vous, Bruno, de jouer. On le rappelle, on est en léger différé, bien sûr, sinon je ne pourrais pas commenter ce match avec vous, Hélène. Oui, bien sûr. Bon, mais c'est techniquement parfait. Un bon strike, c'est pas mal pour le moment. Et le français, le gaucher, finalement 9. Il démarre mal ce match pour son équipe. Barry Foley, un Irlandais, et c'est sa première participation à la tournée. Un joueur très sympa, on a appris à le découvrir pendant cette semaine de compétition. Et il laisse le 3-6-10 pour commencer. Dommage, on aurait pu avoir un triplé. Alors, ce joueur, Bruno, va participer à la Coupe du Monde de Cubica AMF. Oui, en novembre prochain, il part au Mexique, à Hermosillo. Et il va représenter son pays, l'Irlande. Donc, il est très motivé et il utilisait cette compétition internationale comme dernier test, hein, vraiment, avant cette Coupe du Monde. Dommage, il laisse une quille. Pas très bon pour notre équipe, ça. On remet l'équipe adverse dans le coup. C'est au tour de Mike Barter, un jeune français. Et c'est aussi sa première participation. Avec un très beau strike. Et voici Bram van Merbergen, un joueur belge. Il est membre de l'équipe nationale. Une longue concentration. Et une boule très rapide, vous allez voir. Une approche fluide. Un très bon strike. Retrouvons maintenant Steven Gill, également sa première participation. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, hein, cette année. Un gaucher redoutable. Il laisse une quille. Oui, un joli panel de joueurs européens. On avait beaucoup de joueurs européens, effectivement, et un joueur américain. C'était très, très intéressant cette année. Chez les filles aussi. Espère. Joren Van Giel, hein, c'était le leader de notre équipe. J'étais le capitaine, mais on l'avait mis en 5. Car il avait des bonnes sensations sur les boules d'essai. Oh, le strike Brooklyn Hélène, très chanceux. Heureusement qu'il joue avec moi, hein, parce que sinon j'aurais mal pris. Quelques points supplémentaires pour l'équipe. On est pas mal dans ce match. Et Peter Stevenson, hein, qui était le capitaine de l'équipe Mercury. Joueur très sympa. Il était l'année dernière à Shanghai, à la Coupe du Monde Cubica AMF.
Il a terminé 13e. Et strike aussi. C'est bien parti Hélène ce match. Et là un petit point rapide. On est en avance hein, 85 à 78. Mais on a un doublé. Donc on a une belle option pour le moment. Concernant le Baker System, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Alors on va voir la boule de... Et strike encore à gauche. Alors pour répondre à votre question, le format Baker System est un format très dynamique. Donc le joueur 1 joue la frame 1 et 6. Donc là c'est donc Toby Contreras. Le joueur 2 la frame 2 et 7 et ainsi de suite. Un beau strike de l'américain. Et donc pour finir avec ce format Baker System, donc le joueur qui a la plus grande responsabilité, c'est le joueur qui joue la frame 5 et la 10 bien sûr. Hélène, donc là où tout se décide. Hein. C'est à vous de rejouer une nouvelle fois pour la frame 7. Pas aussi bien réussi que le premier coup. Ouais, j'ai vraiment pas bien joué cette boule. Problème de timing, je suis arrivé pendant le bon timing et j'ai mis vraiment le bras était en retard et la boule est complètement à gauche. Il faut faire le spare, hein, c'est essentiel, mais c'est pas très bien joué. Guillaume Marois prend une grande respiration. C'est parti. Mais la réussite est toujours pas au rendez-vous. Et pour vous, Bruno, il s'agit de fermer le spare, mais bon, rien de compliqué, normalement. Normalement, oui, c'est pas un spare difficile. Et voilà. Ah, super bien joué hein, pour Guillaume, il a fait ce spare. Ah, il le mérite. On aura un point sur les scores Hélène, hein. On a 20 keys d'avance notre équipe. Donc on est bien embarqué pour gagner ce premier point. Donc je rappelle les règles quand même, c'est la première équipe qui arrive à 3 points, qui a gagné le match. Donc c'est au meilleur des 5 manches, un peu comme au tennis dans les tournois du Grand Chelem. Et notre ami Barry Follet sur la frame numéro 8. Elle a pas mal parti. Oh, il est content Barry, bah oui. Il fait le show. Super strike de Barry Follet. Regardez-le, il fait vraiment le comique. Mais bon, il est très sympa. Il a mis une très bonne ambiance dans l'équipe. Pendant que Mike Barter se prépare. Très longue concentration hein, du français. On retrouve les gestes de sa sœur. Et malheureusement pour son équipe, il laisse la 10. Oui, un la 10, hein, on le répète souvent, mais c'est un problème d'angle. Normalement, c'est une formalité hein, pour un joueur de ce niveau. D'autant qu'à côté de ça, il a pas l'air perturbé par les caméras, il a l'air d'être dans sa routine. Il sait ce qu'il a à faire. Il réfléchit pas. Il joue le spare avec sa boule de strike. Hein. Donc pour jouer la 10, c'est pas facile. Il joue bien à plat, bien droit. Superbe, bien joué. Donc un avantage pour l'équipe Orion avec 21 quilles. Mais surtout un strike Hélène à la 8. Donc si notre ami Bram strike à la 9, le match est plié, on va dire. Ça serait pas mal. Strike parfait.
Ouais, bien joué Bram, mais la victoire normalement est pour les Bleus, notre équipe. Steven Gill va quand même nous montrer de quoi il est capable, mais ça va être un petit peu tard maintenant. Très joli strike, mais voilà, ça va peut-être pas suffire. Et on est déjà sur la frame 10, hein, à la fin de ce match. Bon, le match est plié, hein, Hélène, puisqu'on a un doublé. Et Jérôme, donc ça se dit aussi Jérôme, hein, c'est comme Jérôme en français. Et il laisse la quille numéro 3. Mais c'est bon, hein, le match est gagné là avec ce 9. C'est fini, car même si l'anglais Peter Stevenson réalisait un triplé, il ne pourrait pas revenir. On est déjà à plus de 210. Bon, le capitaine de l'équipe Mercury reste néanmoins bien concentré. Ouh. Oh là là, c'est une boule. Regardez, Barry Follet qui le chambre un peu. Et il n'a pas trop lifté sa boule. Hein. Et Jérôme qui va faire ce spare maintenant. Voilà, le match est gagné, c'est bon. Et l'anglais qui va jouer son spare, il faut être sérieux jusqu'au bout. Et juste, hein, Hélène, il a failli le rater. La boule est passée près. Ouais, ça compte. Allez, dernière boule pour notre fermeur. Le Néerlandais finit en strike. Allez, dernière boule pour l'anglais maintenant. Une boule encore un petit peu pleine, il termine avec un 9. Score final 223 pour le Team Orion à 192 et donc 1.0. On se retrouve très vite, Hélène, pour la suite de ces matchs. À bientôt, Hélène.